Hola, comment nous sommes en forme? Et dans une photo que m'ont été postée, m'ont été dit que chaque monde qui a une question capable poser en bas commentaire. Donc m'ont été reçu plusieurs commentaires que m'ont essayé répondre chaque grand monde ça. Une question normalement et opposé mieux c'est surtout sur Brésil, sur Haïti tout ça. Donc m'a essayé répondre ces games parce que c'est qu'on a on prononcé et il était posé une question sur question de coup professionnel Brésil. Qui j'ai quelqu'un capable de faire pour faire un coup technique ou bien un coup professionnel si c'est comme ça et Brésil. Donc ma pensée répond de manière globale. Si que quelqu'un a plus d'informations toujours, il est capable toujours partager dans les commentaires. Parce que moi-même, je parle, moi-même, parler simple que moi connais et moi-même, parler de tout, surtout dans le contexte que moi à vivre. Pour qui est-ce? Parce que actuellement là, moi à vivre Santa Catarina. Mais il y a l'autre haïtien qui a vécu dans plusieurs États parce que nous connaissons le Brésil, il y a 26 États plus un district fédéral que nous avons considéré comme 27 États. Mais par contre, comme si chaque réalité varie de chaque État. Okay? Donc, pour y avoir un cours professionnel qui c'est une bonne idée, okay? Qui c'est un cours professionnel? Un cours professionnel, c'est un cours le plus souvent, et nous considérons c'est un cours qui a un coût direct. Okay? Ça veut dire ça qu'arrive que le cours professionnel prend quelques mois, il est capable de prendre 1 an, 2 ans, parfois jusqu'à 3 ans. Okay? Mais, immédiatement que vous faites un cours professionnel, vous commencez à jouer un salaire qui est plus ou moins plus élevé par rapport avec salaire minimum payé. Okay? En parlant de Brésil, qui est le contexte que nous avons parlé. Donc, qui est le cours professionnel important? Et en plus, des fois, le cours professionnel là, même si vous avez quitté le pays ou dans l'autre pays, vous êtes capable d'utiliser. Et il y a un pile cours professionnel qui est vraiment bon, Brésil, que vous êtes capable de faire, qui est capable d'aider, plus ou moins faire comme, et surtout, grandir, soit en Brésil, non seulement au Brésil, ou capable d'aller dans notre pays. Tout. Donc, moi, je parle plus ou moins de qui l'école qui plus populaire que quand arrive à l'école, tout ça. Par exemple, si mon avis dans l'État Santa Catarina, souvent, il faut qu'on entende de parler de non, ça, qui c'est CEDUP en portugais. Okay? Pour nous-mêmes, on a dit CEDUP. Okay? L'écrit CEDUP. Je vais quitter le lien pour nous en bas de la vidéo, nous sommes capables d'entrer et prendre plus d'informations de vous-même. Okay? Une façon que pour vidéo pas trop longue, je vais entrer sur le site, je vais juste quitter pour nous, pour être capable d'entrer et faire une recherche sur vous. Ces doubles-là, si je ne me pas trompé, nous avons une majorité de villes dans le Brésil. Surtout les plus populaires dans l'État que moi, y a, qui c'est l'État Santa Catarina, qui est le plus populaire. Ok, normalement, ça c'est premier. Normalement, pour ces doubles, il y a un pile qui va m'intéresser. Par exemple, il y a une logistique, il y a une esthétique, il y a un pile d'autres coups qui est super intéressant que si que y a un monde qui a voulu faire un coup professionnel, si je ne me suis pas trompé, il y a un infirmage, technique infirmage, il y a un technique en cuisine, ou même qui veut cuisiner, il y a un pile d'autres coups. Okay? Donc, coup ça, c'est des coups qui sont gratis. Et ça qui est intéressant, ça va dépendre que dans la ville où il y a, des villes comme si vous allez à l'école, ça, le plus c'est 4 ans, vous mangez parfois quand même bon, 4 bus étudiants, côté que vous payez un coût qui n'est pas tellement élevé, tout ça. Donc, dans la ville où il y a, c'est un coût qui est vraiment populaire, qui c'est Chapeco, côté que vous allez vivre. Et donc, mon Chapeco, c'est mon Chapeco qui a regardé des vidéos ça. Nous intéressons le plus souvent chaque année, vous pouvez prendre un monde dans pour ça, qui c'est, dans l'école technique ça, qui c'est CEDUP, qui c'est une école, son sigle, c'est Centre d'éducation professionnalisante, on va dire comme ça, ok? C'est un sigle. Donc nous allons mettre sur Google CEDUP et bien après je vais vous informer sur ça. Deuxième, l'école professionnelle qui est gratis, qui ça lui-même qui gagne la majorité, pas tout État Brésil, qui c'est Instituto Federal. Institut Federal là, c'est selon ville où il a changé, non a changé. Par exemple, soit vis Santa Catarina, après les IFS. C'est, il y a un dit IFISCI, ok? Si par exemple, vous avez Rio de Janeiro, la IFRJ, on tape dit J, IJ, qui c'est IFRJ, ok? Seulement, c'est ça pour connaître, c'est Instituto Federal, qui c'est IF là. Après ça, dans la zone où il y a un métier, le plus souvent c'est non-État, c'est pas non ville là, non? Par exemple, soit vous avez Rio Grande do Sul, vous avez dit IFRS, ok? Donc, Institut fédéral, ça c'est une université normale liée. C'est une université normale liée. Pour qui raison? Parce que les que vous gardez là-dedans, vous prenez un diplôme, vous pouvez gagner pour toucher en fonction du salaire et professeur étudiant. Par exemple, et dans le cours ça, le plus souvent, il y a une mécanique, il y a un pilote qui est vraiment intéressant. Okay? Ça varie selon l'état que vous êtes. Normalement, vous pouvez demander faut que vous finissiez avec un ensino médio.
ça relè en Haïti philo, faut suivre philo pour capable entrer dans genre de cours professionnel ça parce que yo considère comme cours supérieur comme si vous faites université normal, OK? Sauf que c'est d'accord qui dirait moins temps. Et en pile des fois, yo besoin surtout professionnel ça, moun ça capable facile pour un travail qui un monde qui fait en université. C'est pas que moun qui fait université pas vous non mes amis, mais en pile des fois, là vous faites coup technique ou jeune travail plus rapide, parfois jeune stage, etc. Après ça, il y a un autre et pas oublier qui est super important que on va parler de lui en pile. Selon quelque ville il y a le Senaki ou bien Senai. Mais Senaki ou bien Senai là, normalement c'est selon ville là quand il y a des cours gratuits, mais parfois quand pas gagner tout. OK? Pour qui raison? Parce que c'est un institut qui lié en partie l'état ou bien te dire l'état subventionné, mais c'est un institut privé que en partie que lié. Ça qui fait que en plus des fois que ou des décision pour gratis et puis on dit que ça non on paye en tâche etc. Même les tâches pas élevées mais ça qui arrive au mandé pour font petit payer qui donc mes amis me pensent que grand pile opportunité grand pile côté qu'on capable étudier pendant le travail surtout pour ça normalement on prend environ de 3 à 4 heures temps par jour 3 à 4 heures par jour pour capable étudier pendant le travail pour capable gérer question de horaire là gagne des cours bah seulement le matin gagne des cours seulement bah l'après-midi et gagne des cours bah surtout dans un soir. Donc gardez votre travail comment vous pouvez faire pour un cours ça on va pas mettre les vagues disponibles plus simple vous regardez dans ville que vous y a dans état que vous y a on va écrit sur Google on va écrit sur Google par exemple vous allez mettre par exemple cours gratuit et dans ville où il y a et bien vous mettez les sous jeunes ou bien vous mettez le nom institut ça par exemple qui c'est Dupi qui c'est IF après ça ça va dépendre de l'état où il y a si c'est Santa Catalina IFS et C si c'est Yogenji Dusso, IFRS, après ça, on est capable de mettre Sénat ou Sénac, on a une possibilité pour capable d'entrer dans ça. Et si on a une difficulté pour capable connaître qui gagne dans la ville, on capable toujours entrer en contact avec moi ou bien écrire dans les commentaires pour me capable orienter dans la façon pas. En plus, des fois, on a le temps de répondre, même parce que je réponds nous. À travers le numéro de téléphone, on a toujours qui c'est 49, et ce code-là, 9-8-4-36-87. 97 17 OK donc et m'a pas quitté pour nous dans un commentaire tout ça OK donc c'était un plaisir de avec aujourd'hui un abrazo et à demain ciao.